Bonjour et bienvenue. Eh ben encore de la 305, dis donc. Il y en a encore pour un petit peu. Bon, là, la carrosserie, ça avance bien. Enfin, tout ce qui est reconstruction, parce qu'après, il y a tout ce qui est... Il y en a d'autres, les trucs. Alors, donc, on avait déjà fait toute la... Enfin, on avait... Non, vous n'avez rien fait, c'est surtout moi. J'avais déjà fait tous les deux planchers avant. Plus des petites diverses réparations toc-toc sur les planchers, justement. Et ben maintenant, on attaque l'arrière. Le coffre. Là, ça va être rigolo. Parce que... c'est pourri. C'est vraiment pas bon. Bon, allez. Sauf déjà... faut démonter le haillon. Allez, on y va. Boulot. Bon, bah, j'ai démonté le haillon. Il est là. Donc, je vais le restaurer, lui, en fait. Je pensais le remplacer, sauf que n'en trouve pas. On trouve des séries 2, mais pas des séries 1. Donc, le problème de la série 2, c'est que la serrure n'est pas au même endroit, que la plaque n'est pas au même endroit, que tout l'arrière n'est pas au même endroit. Enfin, le morceau se monte en lieu et place. Mais, en fait, il faudra que je déplace l'éclairage de plaque qui est dans le pare-choc pour le mettre dans la porte. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse le faisceau électrique. Les poignées sont pas les mêmes, il y a plein de trucs qui sont pas pareils. Donc là, je voulais démonter la vitre avant de la démonter de la voiture parce que je me suis dit ça sera moins lourd. Et bah, en fait, j'ai regardé avant de couper le joint si c'est qu'on en trouvait d'autres. On n'en trouve pas, personne n'en a. Donc, enfin, j'ai peut-être pas bien cherché, mais sur internet, là en 10 minutes, j'ai pas trouvé. On trouve des vitres en remplacement, mais pas des joints. Donc en fait, vaut mieux casser le carreau que de casser le joint. Donc bah, je vais essayer de le démonter proprement. J'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Donc pour ça, je vais me mettre à plat quelque part proprement et pas les bras en l'air. Ça ira peut-être mieux. Donc le boulot maintenant, ça va être tout l'arrière. Tout à refaire. Pas impossible, mais on va déjà démonter. Bon, bah, faut reconstruire ça maintenant. Déjà, je vais le redresser pour voir la gueule de l'origine. Parce qu'il y a une courbe à respecter. Putain, les supports de trucs, ils ont marché. Wow. Il y en a qui ont vraiment peur de rien. Bon, alors je les débosselé grosso merdo. Mais le métal est tellement pourri que bon, on fait rien de propre. Mais si ça s'est complètement disloqué, ça va. Donc là j'ai mon gab.
Tu vas bien. Bon, bah, j'ai réussi à remettre la patauge droite. Pas été simple. Et cette pièce-là, là, que j'ai assemblée, c'est deux pièces. Hein, un renfort et puis une tôle, machin. Ça va ici. Bon, et puis voilà la même pièce soudée. Donc en dessous, c'est soudé là, et puis là, c'est soudé là. Et ça bouge plus. Bon, je suis désolé, c'était peut-être le truc le plus intéressant à montrer. J'ai fait l'embouti pour le passage de la manivelle de roue de secours. Je suis désolé, j'ai rien filmé. Pour faire le galbe, on fait le point de milieu, le point d'arrivée à chaque bout, on met un serre-joint qui bloque, on met un fer plat qui prend le cintre et on trace. Galbe naturel, pas forcé, ultra concentré, on n'a pas le droit à l'erreur. Ah, pas passé. Hein. Bon, alors là j'ai pas pu passer le galet parce que bah, le truc fait chier, donc faut que je le fasse à la main. Bon, ça se voit presque pas. Ok, après la traverse. Hop. Je ne refais pas les trous ovales. C'est inutile. Il y a des aérations partout, ça évitera la merde de descendre dedans. Les bouchons que j'ai là, que j'avais là, je vais les remettre là. De toute façon, il y a le passage ici du truc de la roue de secours. Bon, voilà déjà. Le seuil déjà est refait. Après, faut que je repique le... En fait, non, c'est parfait. Il faut que je repique encore le platine écrou pour l'accrochage.
Et voilà la même chose montée avec les cléco. On peut continuer. Bon, la suite est un peu plus compliquée. Parce que cette pièce-là, toc toc toc, jusque-là, je sais la faire. Mais la suivante, mais le retour pli là, en plus c'est incurvé comme ça, compliqué. Donc je vais la faire en debout. Je vais faire le pli ici, toc toc, avec un départ ici, et je vais faire la même chose en haut. Ça devrait être faisable. Donc une fois qu'on a soudé les deux morceaux de corner, ça fait de profil, ça fait un grand morceau. Maintenant, il faut que je lui donne le galbe. À mon avis, c'est trop. On va présenter. Donc, après moult péripéties, voilà le morceau. Donc, effectivement, j'ai remis à changer un bout. Hein. Bon, ouais. Ça sert à rien de le cacher. Ça se verra pas. Il y a eu une merde là. En gros, effectivement, j'avais été trop loin dans le cintrage. Sauf que j'ai voulu le reprendre. Ce côté-là, ça remet nickel. L'autre côté, il est commencé à partir en banane dans tous les sens. Impossible de le remettre droit. Donc, j'ai changé le morceau. Gagne du temps. Donc, le morceau, voilà. Et voilà. Plus qu'à faire le morceau qui va là. Je vous présente le gros rat que j'ai vu passer l'autre jour. Pendant le... je faisais ma prise vidéo, j'en ai parlé. Et ben le voilà. J'étais en train de couper de la tôle, là, c'est de la tôle, là. Et ça sentait pas bon. Bah oui, forcément, il était en dessous crevé. À force de mettre des petits sachets de Morora, bah il a dans le manger. Bah il est mort. Alors sur le même principe, j'ai découpé de la tôle, hein, j'ai plié pour faire cette pièce là. Donc maintenant je vais faire les deux trous là, voire même un troisième là, et après il faut que je récupère ces pièces là, mettre derrière. Donc la pièce, une fois qu'elle fait des trous et que je viens un peu cintrer, un peu. Comme ça.
J'ai un peu fait les trous trop bas. J'avais pas de gabarit. Hein. Donc là, j'ai épuré. Je mets ça. Je mets ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouchonner. Pouf. Pouf. Et après, une fois qu'il est en position, je le pointe sur celle-là. Comme ça, bah après je le démonte et je peux le pointer correctement ailleurs. Et la même chose une fois repositionné. Il y a un peu plus de contraintes, mais ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Donc il faut que je mette ça en peinture intérieure. Et je décape toutes les zones de soudure. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Bon, bah ça y est, c'est soudé. Pas été rapide. Pas le plus long à souder, le plus long c'est de meuler. Enfin, en dessous, si, ça a été très compliqué de souder parce que c'est un peu une penasse, on ne sait pas faire. Alors, on voit pas bien, enfin, c'est pas super lisse, c'est pas super bien meulé. Mais bon, je vais remettre du mastic jointif là-dessus. Le plus important c'était ici, mais c'est pas trop mal. Ça fait un peu patate par endroit, mais. Le sol déjà était patate de toute façon. Il remonte, il redescend, ça fait. Bon, on va dire que ça a fait le job. Bah, c'est propre, hein. Par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, alors j'ai brossé tout le reste qui restait de l'intérieur à la grosse rotative sur la disqueuse. J'ai enlevé le plus gros de l'oxydation, machin. Normalement faut pas, mais. Et j'ai tout passé au fer rose. Donc là ça va sécher, ça va réagir et ça va stabiliser. Et après on peint. Bon pipping, ce matin j'arrive, c'était tout bien sec. Je me suis tâté si je mettais de la peinture comme je fais d'habitude. Donc j'ai mis direct de l'après époxy, le Raptor, le fameux balèze qui est anti-rouille et tout. Donc forcément, il y a eu des coulures. Mais on s'en fout. Donc là, j'ai refait toute la surface là, j'ai refait toutes les surfaces là-bas que j'avais déjà traitées à peinture, au zinc. Et puis voilà, comme ça va sécher doucement, je vais pouvoir faire mes jointages mastic. Et puis voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais me mettre là pour pas toucher. Bon, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur la fin du coffre. Bon, j'ai encore les tours à traiter, mais c'est pas trop grave, ça enfin, je peux le faire à côté. La fois, je pourrai remonter tranquillement, faire la peinture, tout ça, ça ira bien. L'intérieur, donc je vais pouvoir que vraiment, comme je le disais, je vais pouvoir commencer, je vais jointer tout mon truc, finir ça, ça monte bien. Bon, il y a encore le dessous à finir à peindre, j'ai pas réussi à rien, mais en dessous, donc faut que je finisse le dessous aussi là-bas, les planchers. Bon, j'ai divers autres, j'ai encore du taf, hein, faut pas croire, mais bon, ça avance quand même très très vite. Voilà, donc là, un ordre de temps pour faire ça. On est mardi, j'ai fait lundi, vendredi. Vendredi complet, lundi, moitié de la journée. Un peu jeudi, ouais, 8-16, bon, entre 15 et 20 heures, pareil. Voilà. Bon, c'est long à faire, j'ai perdu du temps avec le morceau qui il faut que je refasse, mais bon, c'est comme ça. Là, ça fera vraiment le job parce que c'est très très bien. Là, la poutre arrière comme ça, c'est pas comme si ça se voyait beaucoup. Voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les 305 briques moins rouillées, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Alors, au revoir, à la prochaine.